Une guerre approche à grands pas. D'une telle férocité, d'une telle barbarie, que le monde se verra séparé en deux camps. Notre roi, mon père bien-aimé, a été assassiné. Et c'est l'œuvre de l'Empire Perse. Donnons une bonne leçon à ce garçon, afin qu'il serve d'exemple. Quiconque menace la Perse le paiera au prix de sa vie. Il est temps que tu découvres quelle est ta vraie identité, Alexandre. Tu es le fils de Zeus. Mène tes hommes là où Philippe n'a jamais pu les mener. Empare-toi de la Perse, et bien plus encore. C'est ton destin, mon fils. Alexandre se montre impitoyable face à toute tentative de désaccord. Il saisit tout de suite l'occasion et fait une action décisive. Et vous, vous avez sous-estimé Alexandre. Mais nous sommes Perses. Nous ne reculons jamais. Nous ne cédons pas à la panique. Je vais m'occuper de toi et de ton trône. On a du mal à croire tout ce qu'il réussit à accomplir au cours de sa vie. Lui y est arrivé. Chargez ! Alexandre est le plus grand stratège militaire qui ait jamais existé. Les archéologues sont à l'affût de la moindre trace laissée par Alexandre lui-même. Deux ennemis jurés. Ils méritent tous de mourir. Je vais le massacrer de mes mains. J'en suis certain. Lequel remportera la victoire? Lequel sera le plus fort?